Salut à tous, c'est Timmy, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de la série sur l'Euro 2020, l'Euro 2021. Donc on est accompagné de toujours de Balou. Donc, salut Balou. Yo. Donc la dernière fois, du coup, on avait fait le match France-Allemagne. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, parce que du coup, je vais vous dire le score qu'on a fait. Donc quittez la vidéo tout de suite si vous n'avez pas encore vu le match. Donc, il reste 2-3 secondes. Hop, voilà. Donc, on avait battu du coup l'Allemagne 3-2, c'était un match super incroyable, vraiment, il n'y avait rien à dire. C'était Juste aller serré. voir les buts, vraiment c'était ouf. Donc du coup, j'avais dit qu'on jouait contre le Portugal, mais non, du coup je me suis trompé. Dans la vraie vie, la France va d'abord jouer contre la Hongrie en second match. Donc ça sera le 19 juin à 15h, donc ça sera le match Hongrie-France. Ça va se dérouler au stade Puskás, donc je crois pas qu'il soit dans le jeu, donc c'est pas trop trop grave. Donc on est parti, let's go, donc en extérieur du coup on se met. Avec le maillot blanc. La Ouais, Hongrie, je sais pour pas si c'est le l'instant, vrai maillot. Je sais pas. pour l'instant, c'est plutôt que ça rejoue, moi. Ouais, moi aussi. C'est un peu chiant. Ah, c'est bon. Extérieur. Je vais voir si c'est vrai le maillot. En tout cas, je n'en reviens toujours pas de l'autre fois, le match qu'on avait fait. Hein. On était équipe. Donc du coup on est toujours parti en haut Et ça, on niveau. peut bien voir, c'est au niveau, c'est écrit du coup. Ouais, comme ça il n'y a pas de truc ou quoi. Donc du coup hop, Hongrie, let's go contre la France. C'est Hop, là, ouais, parti. ils ont trois étoiles. Bon, général, dans le jeu, l'équipe qui ont trois Ouais, étoiles, ils sont assez forts quand même. Donc on ça voit les fait maillots tout de beaucoup mal. suite. Donc, normalement il devrait Attends, jouer avec le ah, maillot faut que tu rouge. rechanges. Tu devrais sauvegarder le plan du jeu quand tu le changes, quand tu mets la vraie composition. Ah, on Normalement, peut tu peux sauvegarder? sauvegarder. Ouais, Ah ouais, ton je savais pas. effectif, tu peux. Normalement, ah quoi. Normalement, oui, tu peux. Normalement, t'as un espèce de classeur à droite. Enfin, pas de classeur, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, gestion des données, Normalement, c'est tu peux. écrit. Bah ouais, bah j'aurais dû sauver pour le prochain match. Ah bon, du coup je remets la même composition que dernier match. Voilà, Au admettons moins que on est tu l'as sûr. fait là. Tu peux déjà sauvegarder tout de suite. Au moins, après, pour le prochain match, ça aura juste à retourner dedans. Et ça sera déjà la composition. Bah attends, je vais essayer après. Là, Donc on a du du coup, temps, c'est on chaud. remet Coman. Ah ouais, j'avoue. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait du Ouais. temps. C'est Pour un peu ça, au chiant. moins là, la prochaine fois, on sera tranquille. Ça va, leur attaquant, il a que 77 en note générale. En vrai, même dans la vraie vie, je pense que ça va quand même être dur, mais on En peut le vrai, faire. je les plains, eux, parce que j'avoue, eux, ils sont contre les anciens champions du monde, les nouveaux, Ouais. les champions d'Europe. Mais attends, je Eux, vais te dire un c'est truc dur. après. Juste après. Comment on fait pour enregistrer du coup? Bah, Ah, t'as juste à. sauvegarder. Ah ouais, ok. Ouais, Ah, et mais c'est cool. après tu iras juste dessus, s'il y aura Ah ouais, écrit chargé, chargé. je crois. Ah, ok, Et ouais. ça va te remettre la même truc. D'accord. Donc juste avant qu'on commence le match, du coup comme Balou disait là par rapport à l'Hongrie, ça va être chaud. Moi je me disais la dernière fois, l'Allemagne ils ont été champions du monde 2014. Le Portugal champion d'Europe 2016. Nous champions du monde 2018. Et qui sait, la Hongrie gagne l'Euro 2020 du coup. Et oui. Oh, tu sais ça. C'est... Ah, je pense pas, mais si c'est ça, ça serait un truc de ouf quand même. Ça serait incroyable. En vrai, je pense que ce qu'ils vont être chauds, ça va être la Belgique. Mais une équipe ne va pas s'y attendre, je Ouais, je pense. pense aussi, ouais. Une équipe vraiment, ils vont faire un truc, on va dire, ouah, ils sont Sûr, il y forts et aura tout. la Belgique et une équipe qu'on va pas s'y attendre. Ouais. Donc, du Donc coup, je on se pense. retrouve juste après la cinématique. Donc, à tout de suite. Soleil radieux! Et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité, vraiment. Les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pour nous que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Et voici l'hymne national de la France.
partie du battement avec le deuxième hymne national. La Hongrie qui aligne donc un milieu renforcé, ça ressemble à un 4-5-1. Avec ce système, l'objectif principal, c'est en général la possession. C'est plus facile de construire quand on est 5, totalement. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir le plus avancé des milieux de terrain avoir plus de liberté pour venir au soutien de l'attaquant ou proposer des solutions sur l'aile. Ok, donc on est parti. Alors donc du coup dans le jeu il pleut. Mais cette spawn que j'ai oublié de changer du coup, c'est que dans la vraie vie du coup normalement il fera jour. Et là du coup bah là il fait nuit, donc j'ai juste oublié de changer. C'est pas trop grave. Petit souci technique mais bon, pas trop grave. Donc c'est parti du coup, match Hongrie-France. Dans la vraie vie il y aura pas autant de spectateurs par contre. Là ça m'a l'air d'être plus. Ouais, il y a faute. What? Bon, oui. Ok. Apparemment, hop. Faut pas, toujours pas prendre le ballon. Il a toujours pas changé d'avis. Oula, tu tacles des nerfs. Hein. Non, non, ça va. J'ai vu le petit Coman tacler. What? Qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, mais pourquoi tout le monde fait les retourner, non? Mais qui je sais pas. Et surtout, pourquoi il retourne ici, quoi? Ça sert à rien. N'importe quoi, là. Pourquoi il met Pogba? Ah non, c'est Conte. J'ai cru que c'était encore Pogba qui voulait pas prendre le ballon. Bon, est-ce que je vais faire un gros match comme la dernière fois? Oh, Pogba? Non. 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 Ah non, j'ai le seum. Waouh, c'était arrêté magnifique. Non. Mais attends, c'est quoi les matchs qu'on c'est fait quoi de les frappes qu'ils font là? Mais c'est quoi le what? Délire là? Mais on est où là? Oui, je... ouais, Pogba il s'est énervé d'un coup. Ah, sors la balle. Non. Je veux dire, en vrai, dans la vraie vie, je pense ce match-là, je pense qu'on va quand même gagner la France. Mais souvent, la France, quand t'es petites équipes ouais. Comme ça, ils font un peu de la merde des fois. Donc, j'ai hâte de voir. Je dis, c'est bon, ça va passer, et au final, ça passe pas du tout. Donc, on verra bien du coup. Hein. Je ferai une vidéo du coup où on fera un petit match quand l'Euro sera terminé, histoire de débriefer un petit peu du coup l'Euro 2020. 2020-2021, vous avez capté. Ça se trouve, elle va se terminer voilà. Très vite pour nous. Ça se trouve, on va perdre direct. On verra. Donc, dites-nous le commentaire pour vous qui va gagner l'euro. Dans la vraie vie, en parlant. Donc, on verra bien. Est-ce que je l'attends? Non, ça rentre pas aussi. Oui, je vais faire un centre. Retourner de Giroud encore. Partie 2. Ah, trop okay, loin, d'accord. Dommage. J'ai fait un centre, mais je crois que c'est un tir en fait. De ouf. Ok. Pour l'instant c'est chaud. Ça joue dur, c'est compliqué. Hein. Mais non. Ça en plus c'est le truc qu'ils peuvent faire hein, dans la vraie vie en plus. Oh là là. Pogba il s'est énervé. What the fuck, planté. Non, dommage. Ouah, ça a failli rentrer. Mais Pogba il est énervé hein. C'est quand même un petit peu plus facile. Par contre ouais, il l'a repris vénère. En plus il l'a repris propre sans faire faute. Bah là ce qui est bien c'est que du coup la Hongrie ils sont moins forts. Ouais, on arrive un peu mieux à attaquer. Bon, la finition c'est pas trop ça mais... Bah comme dans la vraie vie hein. Souvent ils font ça hein. Donc moi c'est bien. Et là la Hongrie va marquer Salai. On a enlevé une faute, oui.
Il n'y a pas grand chose en vrai. Ouais, en plus c'est lui qui met son pied devant moi. C'est N'Golo Kanté oh, quand même. Ouais, d'où il rigole par contre. Il rigole ouais, pas en vrai. Attends, il rigole en s'énervant lui. Moi qui est trop fort. What the fuck. Ok. Non mais Mbappé depuis quand il est en défense maintenant? Ouais, c'est bon, c'est bizarre ça. Mais non, mais quoi, c'est mais quoi attends, ça Mbappé, par contre, le cadre, voilà quoi. Attends, Mbappé, c'est un défenseur, je crois, parce qu'il arrive pas à tirer. C'est quoi ce cadre là? Wesh. What? Ah non, dommage. Ah ouais, quand même. What, il a. Peut-être qu'on fera aussi une série sur les matchs des Olympiques, je pense en vrai. Ça peut être cool en vrai. Ouais. En vrai, c'est plus ouais, du coup, on pourra plus jouer après en ligne. Ouais, les coups vont profiter, du coup. Ouf, le contre. Merde, s'il la mettait comme ça, par contre. Voilà. Ouais, là, faut qu'on marque. Ah non, dommage. Et on est pas loin, wesh. Et c'est chaud là. Ouais. Je pense qu'on a la possession haut la main, je pense. Pas. Ouais, ouais, largement. C'est que d'attaquer. On doit être autour de 65%, je pense. Je pense. Mais bon, en général, j'ai remarqué dans le jeu, quand on attaque trop, on n'a pas la possession. C'est bizarre, de temps en temps. Pourquoi on devrait l'avoir? Non, je crois qu'on avait marqué pourtant contre les Allemands. Bah ouais, on avait marqué à la deuxième minute. Là, on a gagné une galère. Ok, let's go. Pourquoi il fait des 3-6 ce jeu? Je sais pas. Eh, y'a faute. What? What? Mais qu'est-ce. Oh, le vieux tir. La corner, non? Elle a été touchée. Elle a été ouais, je crois, ouais. Parce que si c'est Griezmann, wesh, pourquoi nous le vieux tir. Nos attaquants, il tire comme ça. Non, il a touché, il a touché. Il s'est pris dans la tête. Ah, ouais. Ok. Il s'est pris dans la tête. Oh. Il va tourner de N'Golo Kanté, je dis. Ah. Ah, apparemment. Ok. Apparemment, ça peut être une retournée. Oh. Non, mais non. Mais attends, mais wesh, pourquoi il est parti en courant, il est revenu. Non, dommage. Attends, il a bugué le joueur. Il est parti en courant, j'appuie sur pour tirer, il est parti en courant, il est revenu. Regarde. Mais le mec trop con. Ah putain, dommage. Eh ben, la seule occasion ce match-là. C'est fait juste pour faire combat. Parce que c'était pour moi, j'ai fait roux. Il est parti, il est revenu. Mais c'est quoi ça? Le mec dans la vraie vie, il fait vraiment ça, je pense que je suis rendu. Bah il se fait remplacer. Hein. Oh bah comme ça. Tu l'as poussé, moi je l'ai repris. Oh Griezmann. Oh. Il est passé. Oh. Mais non, mais ça tire trop fort à chaque fois. Wow. Eh mais on marquera pas, c'est n'importe quoi. Ce match là c'est dur hein. Oh, en plus tu l'avais y a passé faute dans plus. Le bah ouais. En plus. Ah mais j'ai quoi. Le seum. En vrai même si on fait un nul, on fait quand même un beau match puisque depuis tout ouais, à l'heure y a beaucoup d'occasions. On s'ennuie pas en vrai. Je pense qu'on va marquer. What? Mais attends, par contre, au bout d'un moment, faut qu'il les compte les fautes, hein. Parce qu'il m'a fait une balayette. Oui, il s'y fait pas trop. Hein. Bah, non, dans leur équipe, il s'est pété aussi. Y'a faute là. What? Oh, y'a faute un peu, hein. Voilà. Mais là, par contre, la faute, tu la comptes. Ah, bah ouais, là. Ah, ouais, c'est n'importe bon, quoi. Hein. What? Ok, je crois que l'équipe. Oui, y'a un petit billet, hein. Mais ouais. Pourquoi à chaque fois qu'on joue ensemble, on se nique entre nous? Ah ok, pourquoi c'est chaud. Pas là
La Hongrie, ils sont vénères. Ah, ils sont énervés, hein. Enfin, ils sont pas vénères, c'est juste qu'on a pas de chance en fait depuis tout à l'heure. La possession 53, c'est tout. Il y a 9 tirs, dont un cadré. Ah ouais, quand même, c'est chaud. On a plus beaucoup cadré. Ok, on est parti, seconde mi-temps, let's go. Oh, faut qu'on gagne quand même. Il mérite. Depuis tout à l'heure, on attaque, ça va rentrer. Allez, Giroud, t'as besoin de toi. On a vu la France pour moi dominer la première période. Largement, on l'a mangé. Salahi. Salahi. Peut-être qu'il est connu, mais je connais pas du tout. C'est Salah, mais du bled. Salahi. Heureusement qu'ils sont nuls. Ouais, on serait pris un but. Les Allemands, Ok. Pour l'instant, il y a tout le monde qui est chaud encore. Ça sert à rien de croiser le changement. Dans le stade, il doit dire pourquoi j'arrive pas à marquer. Il y a personne qui arrive à faire. Bah ouais, mais finition. C'est bizarre en vrai. La France qui cherche l'étincelle. Il relance côté droit. Et ça n'arrive pas. Même les passes, c'est il des passes pas chelous. En plus. Mais ouais, mais il est bugué le match. Tout à l'heure, on aurait pu marquer large avec Coman. Il est revenu bizarrement. Ok, là on est chaud là. Ouais, un peu trop fort quand même. Les faces sont bizarres dans le... What ? Je rêve où Giroud a fait un tac à la Griezmann. J'ai pas vu. J'ai cru voir Griezmann s'éclater. Ok. Regarde bien. Là, hop. Loris, il fait connaître du monde. Il s'amuse à dribbler, hop. Ça, en vrai, vraiment, ça m'a énervé. Hein. J'en ai marre. D'où la Hongrie, ils savent défendre. J'ai dit, peut-être qu'ils vont gagner l'euro, hein. Qui sait. Voilà, j'ai taclé. Ça empêche la passe de galérer à l'autre. Qui ça, mais c'est mais ça nos joueurs vous disiez si vous voulez pas jouer. Ok, c'est bien joué ça. Ils font des contrôles bizarres quand on reçoit le ballon. Bonne interception, il y avait mais... Ah dommage. Même pas contrôler la balle. Mais ça, c'est voilà une bonne occasion de contre. C'est joué long. Long ballon, du jeu. Ok, mais Mbappé fait des contrôles de merde là, ça saoule. On lui fait la face et il s'amuse à faire des contrôles bizarres. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ouais, par contre, le stade, il est à mort. Ouais, de ouf. En vrai, j'ai pas fait exprès, regarde. J'ai même pas fait exprès. Hop. Ouais, en vrai, c'est carton rouge, ça, en vrai. Ouais, tu as été gentil, l'arbitre, parce ouais, que carton rouge, hein. Il a même pas la balle, il tacle de derrière. Ouais, c'est quoi cet arbitre, là, généreux. Il neige, là, sur le terrain, c'est même plus de la pluie. Mais, eh non, par contre, la Hongrie, c'est quoi, là. Ils sont super forts. La défense. Mais what? Il y a faute. Y a même... Mais alors, par contre, pour un qui compte au bout d'un moment les fautes de l'arbitre, hein, parce que depuis tout à l'heure il fait des fautes qui décompte pas. Bon, faut essayer de prendre le temps, je crois. Mbappé. Voici Giroud. Il y a le jeu. Il y a peut-être un coup à jouer. Ah voilà, voilà, magnifique en voilà. Plus. Ah enfin, voilà. Mbappé en plus. Et c'était en plus, chaud. Il y a grave moyen que ça fasse là dans la vraie vie. Ah ouais, dans la vraie vie, il y a moyen que tu fasses un match comme ça. Hein. En vrai, on méritait de gagner. Bien enfin, sûr. On méritait de marquer un but là, parce que ouais, depuis tout à l'heure, on faisait que d'attaquer. On s'est abusé. Voilà. Par contre, ici, c'était chaud. Hein. Bah, t'as bien joué, là.
Voilà, je vais faire un tir avec l'effet là, l'effet parce que sinon ça n'allait pas rentrer. Mais par contre, j'aurais pas cru que ça serait passé la passe. GG, 1-0, ça fait plaisir. Là maintenant, on est juste à temporiser. Pas de se prendre l'interception au bon moment. Bon, je manque, j'ai changé de joueur hein, parce que sinon il me mettait pas le banc comme joueur et je l'aurais pas eu. Bon, je joue. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup là. Oh le bâtard! Oh, ce qui m'a mis! What? Il a fait une pirouette! What? Il s'est éclaté! Il s'est tué en vrai! What? Ouais, c'était dangereux! Mais il est mort là! What the fuck? Il a fait une pirouette! D'où il n'y a pas faute! What? J'aurais bien voulu revoir la pirouette! L'arbitre, il s'y fait pas ça! Hein. C'est bizarre! Hein. Oh, what? La pirouette qu'il a fait! Oh, dommage qu'il n'y a pas eu un ralenti parce qu'elle était magique la pirouette. Dégagement un peu manqué peut-être. Cette attaque n'a pas pu se développer. Il cherche la profondeur. Dieu pavard. Il récupère le c'était un bon pressing. Oh non. Ah non. Oh non. Oh oh. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Ok, ok, c'est bon. C'est bon, on contrôle la situation. Il tente de la jouer dans ok, c'est même parti même. Bon sa ah, dommage. Oh, derrière, derrière. Ah. Voilà, voilà. GG. Ah, joli but. Et pour l'instant, on a gagné nos deux matchs, on est tranquille. Ah, Griezmann, il est mort, Griezmann. Ah, ça fait plaisir, voilà, enfin on marque. Ah, ça fait plaisir là. Oh. Et en vrai, là, Giroud, ça veut dire que dans la compétition, on aurait déjà mis 3 buts. Ouais, il est chaud. Griezmann 1 et Mbappé 1. Pour l'instant, Giroud, ah, c'était ça veut bien dire joué que là. Techniquement, il serait chaud à l'Euro. J'espère. Hein. Ouais, moi aussi. Bon. En vrai, là, on est tranquille, on est à 2-0. On peut se prendre un but, c'est pas grave. Oh, qu'est-ce qui s'est passé vu, là j'ai vu, dans le coin de l'œil, il y a quelqu'un, il a taclé. Il s'est passé quoi là? Ok, ouais, Giroud encore une fois. Oh, mais non. What the fuck? Wow. Yes, fuck. C'est abusé là. Parce que quand t'as tiré l'autre, t'as fait un tacle. Attends, on va revoir là. What? Mais à faute si t'attaques les Ah ouais mais what. Oh. Un petit changement. Il avait mis un carton. Bon ça va, après c'est il restera le Portugal. Ballon donné dans la profondeur. Ça joue à gauche. Ça revient dans l'axe. Ça joue. Mbappé, peut-être un deuxième but. Eh hey, mais le gardien. Il est chaud, regarde bien. On a encore une occasion. C'est Lemar en plus. Ouais. C'est pas Mbappé, c'était Lemar. Oh là là, il est. Qui est sorti de Giroud. Dernière occasion. Bon, on a gagné déjà. Il fallait le sortir. Ça échappe à tout le monde. Il est bien placé. Le soutien derrière lui. Il oh, y a faute un peu, ouais. Ok, bien joué, félicitations. C'était un match très compliqué, mais un joli match quand même. Ouais, bon. Et dans la vraie vie, il y a moins que ça fasse ça. Ouais, je trouve aussi, ouais. Et mais là, pour l'instant, ça veut dire que la France, elle a regagné leurs deux premiers matchs. Ouais, c'est bien joué. Bon, par contre, en vrai, là, on sait pas si le Portugal, il va regagner. Ouais, du coup, c'est pour ça. On va faire comme si quand on... Ils auraient perdu déjà deux fois, je pense, parce que techniquement, ils jouent contre le Portugal. Ouais. Alors, je pense que le Portugal, ils ont une victoire aussi, mais là, on sait pas contre Allemand et Portugal. Ouais, et on sait pas. Ouais. Ce serait l'Allemagne, je pense. Du coup, l'Allemagne, ils auraient une victoire. Ça veut dire que là, mettons, si c'est ça, il y aurait une victoire pour le Portugal, une victoire pour les Allemands, et deux victoires pour la France. Du coup. Ouais. Donc, ouais, bah, du coup, on serait premier, du coup.
Bah dans tous les cas, de toute façon, là, je crois qu'on serait qualifié, je crois. Normalement, on est qualifié, ouais. Oh ben, c'était un joli match. C'était assez serré quand même. C'était un match assez dur. Donc prochain match du coup, ça contre le Portugal, du coup le prochain match. Donc voilà. Donc j'espère que vous appréciez ce match. Il était très compliqué quand même celui-là. Hein. Mais on a quand même gagné. C'était assez dur. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne pas manquer les prochains matchs qui arriveront très prochainement. Et merci beaucoup d'avoir été là pour cette vidéo. Et on se retrouve du coup très prochainement, comme j'ai dit. Salut tout le monde.